c'est l'osologue, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve, comme vous aurez pu le comprendre dans l'introduction, pour le premier épisode de la seconde saison de Skyblock. Seconde saison que nous ferons donc sur le serveur French Sky. Voilà, vous avez l'IP en description pour ceux qui sont intéressés donc de venir sur le serveur tout simplement. Moi je suis assez souvent co, je pense. Enfin, je vais essayer d'être assez souvent co, ça peut être sympa. Un peu interagir avec les gens et tout ça. Et donc nous venons d'apparaître sur notre île. Je n'ai touché à rien, si ce n'est que j'ai déjà 2-3 French coins, voilà. Mais du coup je n'ai touché à rien là-dessus, hein. C'est un serveur plein de nouvelles choses, puisqu'on est en 1.11 maintenant. Donc il y a beaucoup de choses, il y a les Elytras, il y a énormément de choses, il y a beaucoup de gens d'ailleurs. Et du coup ça va être vachement cool. On a le petit chien qui s'appelle Prince, voilà, coucou Prince. Enfin là c'est plus un look à chien, hein. Je pense qu'on peut le voir un petit peu à son air de type pas très très gentil. C'est plus un loup, hein, c'est plus un loup. Mais bon, là n'est pas la question, loup, chien, ça, on s'en tape un petit peu. L'important c'est qu'on est ici pour gérer une toute nouvelle île et on va essayer de la gérer tout simplement au milieu. Donc ça m'a vraiment l'air sympa. On a aussi un menu donc avec le slash sky qui va nous permettre de faire plein de choses. On a aussi un truc pour les challenges, voilà, on peut le voir juste ici. Donc on va essayer d'accomplir ça un petit peu peut-être dans cet épisode. On n'a même pas besoin de faire un petit générateur de cobalt, puisque tout simplement on a déjà un générateur de cobalt sur notre île qu'on va retrouver. Hop, on descend ici, juste ici, voilà, et donc on mine la cobalt ici afin que ça nous fasse donc tout cela. Ok, donc les gens, ce qu'on va commencer par faire, c'est déjà ouvrir ce fameux coffre qu'on a là, puisque ça intrigue un petit peu tout de même. Donc on retrouve déjà une épée en pierre, c'est plutôt sympathique. On a un petit peu d'armure, voilà, bon, on va se l'équiper. C'est sympathique avec un petit style RPG, voilà, j'ai trouvé un texture pack sympathique avec des shaders et tout ça. Ça rend sympa, donc écoutez, on va partir là-dessus. On a 5 lingots de fer, donc ça peut être intéressant. On va les laisser là, je pense. Quoique, on va peut-être en avoir besoin justement pour se faire une petite pioche, hein, parce que bon, on est quand même là aussi un petit peu pour miner. Donc de la cobble et tout ça, on va essayer de faire les achievements un peu de base, les challenges de base, et puis on va voir un petit peu ce que ça peut donner du coup. Donc on va commencer tout simplement par prendre les ressources un petit peu basiques comme le bois déjà. Ça me paraît un petit peu logique. Hop, voilà. On va casser ça déjà, on va faire avec. Hop, on se fait une petite table de craft, un établi, comme il est dit sur Minecraft. Voilà, hop, on va se faire une hache en pierre, vous savez quoi. Ce sera quand même un petit peu plus du sérieux. On rigole pas, on déconne pas, on est vraiment des grands professionnels du Skyblock dès le début. Ouais. On est la pancarte, ça me paraît plus France. On va déjà se faire une pioche en pierre du coup pour débuter, voilà, ce sera très très bien pour des débuts. À chaque fois je paume l'endroit, hein. on va pas se le cacher. C'est bien, oui c'était bizarre comme rime, bref. Hop, voilà, on a un petit peu de charbon. Ce charbon, je pense qu'on va le mettre dans des coffres, hein, parce que j'ai pas trop envie de le perdre dès le début comme un con en tombant dans le vide. Donc on va essayer un petit peu de le garder. Là on a du fer, hop, c'est toujours nice à avoir. Il y en a ici, alors je ne m'y connais pas trop avec ce texture pack, du coup je vais pas forcément reconnaître direct les minerais. Hop, du coup ça, est-ce que ça fonctionne bien comme il se doit? Eh oui, ça marche bien, ça marche sympathiquement, donc ouais c'est bien. On a un petit générateur de cobble gratuit. Écoutez, moi je dis pas non, hein, je vais pas vous le cacher, je dis pas non. Ici on a un petit bloc de terre perdu. Bon, on va aller mettre un petit peu ça en sécurité parce que avec mes talents, on va dire, niveau maintenance en l'air et tout cela, on va pas tenir longtemps sinon, hein, donc voilà, on va laisser ça là. On a un petit peu de, hop, de paille, de papaye. On va la ranger là-bas. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une pousse. Ouais, c'est une pousse, c'est ça. Pousse de sympa. Bon, c'est toujours sympathique à avoir. Enfin, je crois que c'était ça. J'espère que c'était ça. Du coup, on a un arbre à finir de couper aussi, je crois. Hein. Ça peut aider, peut-être. Ça peut aider. Hop, on va tout de suite terminer ça. Voilà, comme ça, les feuilles peuvent se casser. Ou je sais même pas en fait si. Ouais, faut peut-être qu'on les casse nous-mêmes les premières feuilles. Donc, ouais, on va faire ça un petit peu en accéléré. Je vous retrouve dès qu'on a fini ça. Et voilà les gens, j'ai fini donc de couper l'arbre et oh mon dieu, c'est rond, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, ce bloc qui vient de Mars, de la planète?
D'ailleurs, non, c'est juste un petit texture pack avec un mode qui fait que le bois est un petit peu plus sympathique, également qu'il y a de l'herbe un petit peu partout, tout ça. Ça rajoute un petit côté sympathique à Minecraft, on va pas se le cacher. Voilà, donc si vous vous demandez pourquoi c'est rond, Kezako, qu'est-ce qui se passe, vous savez, hein, maintenant vous le savez. Du coup, comment on va faire pour replanter des arbres, parce qu'on va pas en laisser qu'un seul, et puis voilà, des mains de toit. Donc on va devoir un petit peu replanter tout cela. Hop, on va récolter la petite citrouille, hein. Sympathique la citrouille, on aime bien la citrouille, hein. C'est une plantation de type sympathique. On se retrouve avec pas mal de choses, donc c'est plutôt bien. Maintenant, il va falloir trouver comment aménager tout ça. Donc déjà, on peut remarquer qu'on avait le challenge où il fallait 8 de cobble, donc on va pouvoir le faire tout simplement, c'est ici, hop. Voilà, c'est super. Donc du coup, on a obtenu un peu de French coin, je crois que c'est ça. Donc voilà, est-ce qu'on peut le faire plusieurs fois? Attention. Oui, on peut le faire plusieurs fois. Donc on a pu augmenter nos nombres de French coins. C'est plutôt sympathique, hein. Comme ça, je pense qu'après, pour passer à d'autres niveaux, donc là on est grade débutant, je crois, il faudra des French coins. Donc j'en ai déjà assez, mais comment dire, on a quand même envie de faire un petit peu tous les challenges, ce serait plutôt sympa. Donc pourquoi pas les faire tous en intégralité. Tous en intégralité, oui, alors ça veut un peu dire la même chose. On va pas se le cacher, c'est un petit peu pareil. Bref, hop, on va faire le truc de la paille aussi. Hop, c'est nickel. Et il nous faudrait plus de graines de blé. Donc on va essayer de récolter un peu de. On va se faire, ouais, on va plutôt se faire juste un truc simple. Hop, on va se faire la houe. Hop. Et on va remplir tout ça. Comme ça, on va planter là-dessus. Il y a des fleurs. Voilà, les fleurs, ça dégage. Et on va planter les petites graines de blé. Bon, pour l'instant, ça fait pas beaucoup. Mais c'est pas grave. Ouais, non, mais non, parce que c'est censé être irrigué, là, en fait. Je vous explique un peu le délire, mais ça marche pas comme ça, en fait. Hop, on va. Voilà, on va mettre de l'eau ici. Alors par contre, pourquoi ça gèle l'eau, hein? Pourquoi ça gèle? Ok, relais gens, du coup j'ai compris en fait pourquoi on avait ce petit problème d'eau qui gelait et tout ça. En fait, c'est parce qu'on est dans un biome de type froid, hein, parce que vous voyez, il y a de la neige et tout ça. Donc ouais, il faudra trouver probablement un moyen pour inverser tout ça. Donc je pense que ça doit exister un moyen. Donc soit en mettant des torches au-dessus de l'eau, ou soit une connerie du genre. Mais en tout cas, c'est possible. Donc ça, on verra ça un petit peu plus tard. On va s'attarder donc sur tout simplement le fait de compléter nos challenges. Donc il nous faut vendre 8 carottes. Donc des carottes, on en a déjà 3. Hop, on va placer ça comme ça. Est-ce qu'il n'y aurait pas de la bonne mille par pirate? Ah, évidemment, il y a de la bonne mille. Hop là, ça va être nickel. Ça, on va accélérer un petit peu tout ça. Hop, comme ça, on va avoir ça un petit peu plus vite. Hop, voilà. Donc on a déjà 10 carottes, on va faire une autre fournée, on va dire. Hop. Voilà, c'est parfait. Hop, slash C donc pour les challenges, les carottes, on les vend. Ok, bon, on a déjà bien progressé pour les graines de blé, du coup, bah, tout simplement, ce qu'on va faire, hop. On va prendre les graines qui sont ici, hop, voilà. Donc on va farmer un petit peu les graines, comme ça. On va essayer d'en avoir un max, comme ça on pourra faire tout simplement le challenge, hein. C'est un petit peu le but final, hop, voilà. Voilà. Non, si je place de la bonne mille direct, ça va pas marcher. Hop, on y est presque. 3 heures plus tard, oui, c'est bon, on les a. Ok, slash C, on va là-dedans, les graines, et voilà. Ok, donc on a ça, il nous manque juste du poulet cru et des patates. Donc pour les patates, on va faire comme pour les carottes. Hop, hop, hop. Hop, voilà, on va tout précipiter. Hop, ça devrait suffire d'un coup. Ouais, nickel. Slash C, on vend les patates et il ne manque plus que des poulets crus. Pour pouvoir avoir donc ce poulet cru, nous allons aller dans les zones farming via le menu slash sky et nous allons aller sur le petit endroit des poulets. Voilà. Alors là, on a plein de poulets qui se présentent devant nous. Hop, on récupère donc notre épée pour tuer 2-3 poulets. Voilà. Donc c'est un PVP 1.11, mais bon, de toute façon, on est en skyblock. J'ai envie de dire, c'est pas gênant. Ça aurait été un serveur PVP, on se serait dit, ouais, peut-être les mécaniques 1.11 pour le PVP, pas ouf, mais là, clairement, c'est pas dérangeant et c'est peut-être même avantageant pour les moments où il y aurait des monstres qui spawnent parce qu'on peut en taper plusieurs à la fois. Du coup, c'est loin d'être dérangeant. Hop, voilà. Et nous avons donc 12 plumes pour 10 poulets crus. On va donc faire un petit slash yes pour rentrer chez nous et faire le fameux slash C. Voilà.
afin de vendre ce poulet cru pour donc nos French coins. Voilà. Et maintenant donc qu'on a accompli tous les challenges qu'on avait à accomplir, on va se permettre un petit kiff. On va aller dans le slash C et on va passer au grade apprenti. Et voilà, c'est superbe. Donc c'est bien, hein, on progresse. C'est l'essentiel. Donc on va voir maintenant qu'est-ce qu'on a. Donc il nous faut de la pastèque. Ah, c'est intéressant. Des patates, du poulet cru encore, donc comme ça on pourra aller le farmer. Des pierres, alors est-ce que les pierres on pourrait pas déjà se les farmer là-bas? Hop, on va aller dans notre petite base. Salut Prince. Alors, ce serait bien si on lui trouvait peut-être un autre nom que Prince, parce que Prince c'est bizarre, tu vois, Prince. C'est sympa mais c'est bizarre, donc on lui trouvera peut-être un autre nom. Enfin, vous inquiétez pas, on aura le temps dans un futur plus ou moins proche de lui trouver un petit nom sympathique à ce camarade de type un petit peu loup. Hein. Alors, what is this? Alors, quel est le délire? J'aimerais qu'on m'explique pourquoi il y a cela. Pourquoi il y a du gold qui apparaît? Ce serait une fonctionnalité du serveur que je connaîtrais pas. Donc, mais c'est tout à fait magique ça. S'il y a du gold qu'on peut avoir tout en minant notre machin. Bon, bah, hop. On se fait une pioche en fer pour pouvoir le miner et hop, on y retourne. Ah bah. C'était trop beau pour être vrai. Hein. Hop, ouais, bah du coup, le gold est un petit peu tombé. Pas à l'eau, mais à la lave. Hein. Donc ça, c'est moins cool. Hop, on va essayer de revenir. Alors, c'est pas que j'aimerais éviter de me noyer, mais tout de même, si on pouvait éviter une noyade de type noyade, ce serait plutôt sympa. Voilà. On va revenir là, on dit qu'on n'a rien vu. Hein. Et on va retourner bah, du coup au front, j'ai envie de dire. Hop. Alors Prince, qu'est-ce que tu nous fais? Tu déambules tout le temps là. On a combien de cobble? 7. Bon, on va en farmer un peu plus, hein, parce que là je crois que ça va pas trop suffire, 7 pour le challenge, je crois qu'il en faut 16, c'est ça. Donc écoutez, on va essayer d'en avoir 16. Je suis à 2. J'ai 2 cœurs en moins, j'ai l'impression. Faudrait qu'on se trouve de la bouffe, on va. Manger un petit peu de carottes, voilà, hop, ça devrait suffire, tac, et tac, voilà, c'est super. Hop, on continue de prendre notre petite cobble, on sera presque à un truc bien. Hop, oui, c'est bon, on les a, donc voilà, la cobble c'est déjà fait. C'est moi, on vient avoir de l'herbe, on l'avait pas avant l'herbe, hein, je crois. Bon, c'est bien, si ça nous fait une petite récompense, je suis pas contre. Et il nous reste plus qu'à prendre des épis de blé, des graines de blé, et tout le reste qui va avec. Donc je pense qu'on fera ça peut-être dans un futur épisode, parce qu'on peut pas tout faire en un épisode. Et j'ai pas envie que le premier soit trop long, c'est vraiment un petit premier épisode, voilà, pour vous initier à ça. Donc n'oubliez pas, IP en description du serveur French Sky, voilà, je vous invite vraiment à venir, ça a l'air vraiment cool. Et puis comme ça, si vous voulez commencer un peu en même temps que moi, ça peut être marrant, ça peut être sympathique. Donc comme ça on voit un petit peu, vous pouvez évoluer avec moi. Donc FrenchSky.net, l'IP en description, voilà, c'est sur Minecraft 1.11. Et c'est pas du tout gênant d'être en 1.11, c'est même plutôt avantageux comme dit tout à l'heure. Du coup, ouais, voilà. Je vous souhaite de bien vous porter jusqu'à la prochaine vidéo que je sortirai. Voilà, c'est l'essentiel de bien se porter tout simplement. C'est ça qui nous fait profiter un petit peu de la vie. Et puis bah, je vous invite à mettre un petit pouce bleu à la vidéo, voilà, pour la petite hype que le Skyblock revienne sur ma chaîne, parce que c'est quand même quelque chose, on va pas se mentir, d'extrêmement sympathique. Hein. Y en a beaucoup qui me demandaient où est-ce qu'il est passé le Skyblock, et ben maintenant il revient. Il revient en force, on va essayer d'en faire beaucoup pendant les grandes vacances et tout ça, vous en aurez. Donc ça, ça va être cool, voilà. À partager la vidéo avec vos amis, bah, ça m'aiderait énormément. C'est vraiment ce que vous pouvez faire de mieux presque, je pense. Parce que tout simplement, bah, vous partagez la vidéo avec vos amis, et puis après, bah, ça peut faire un cercle vicieux, entre guillemets. Et comme ça, beaucoup de gens trouvent ça, trouvent ma chaîne, du coup. Et puis voilà, c'est la meilleure façon de progresser en communauté, donc c'est sympa, voilà. Pour ceux qui sont pas abonnés également, bah, n'hésitez pas à vous abonner à mon Twitter aussi si vous avez envie. Voilà, ça fait 3 heures que je suis en train de vous demander de faire ces petites actions. Du coup, ouais, voilà, n'oubliez pas de venir sur le serveur, on s'amuse bien et tout ça. Et puis, bah, moi, je vous dis à très bientôt les gens. Passez une bonne soirée, une bonne journée ou une bonne nuit, ça dépend du moment auquel vous regardez cette vidéo. Et puis, voilà, c'était Léo. Ciao, ciao. Oh,